Mais voilà enfin la taverne du Petit Poney Pété, lieu de rencontre unique dans ce village isolé, tout juste posé à la croisée des chemins pour aider les voyageurs ayant de repos grand besoin. Mon arrivée jette comme un froid dans la salle, même pour un vagabond je suis peut-être trop sale. Ou bien c'est ma belle gueule qui ne leur revient pas, ma cicatrice faciale fait genre clown pas sympa. Et tous ces piliers de bar se connaissent par cœur, un barbare de 2m20 ça gâche leur torpeur. Surtout quand il porte une grande hache dans le dos et entre en saluant d'un gigantesque roux. Désolé, sur le chemin j'ai mangé du rat. Il n'y avait pas beaucoup de choix, ma vie c'est crom lenta. Et puis je m'en fous, j'avance et demande une bière chaude. Carburant nécessaire pour partir en maraude. Reste à trouver une place parmi ces sacs à vin. On se croirait au Blood Bowl dans les pires gradins. Je m'efforce d'ignorer le mec en capuchon, assis dans un coin sombre avec son grand bâton. Il se donne des airs de maître en sorcellerie, mais je parie que la nuit, il dort pas sans bougie. Je passe devant lui, me cale un peu plus loin. Une table encore plus sombre, le recoin du recoin. L'inconvénient, c'est que du coup, je vois peau de bique, l'impression d'être paumé dans une backroom elfique. Je sors de ce trou à rats et reviens au milieu. Sur la table centrale, 4 hobbits mettent le feu. Belle animation, mais ça me laisse de glace. Je les fous tous par terre et m'installe à leur place. On me sert enfin ma bière dans une chope d'enfer, ornée d'ogres lascifs en pleine orgie guerrière. Une petite tape au cul de la gnome serveuse pour la remercier d'avoir amené la gueuse. Elle rend ça d'un coup de pied sur mon tibia blessé. Je grogne et sors les dents. Mais bon, je laisse pisser. J'avale quelques gorgées de l'ignoble breuvage. Ces mecs savent pas brasser, c'est un outrage. Ce truc me fait penser à de la boue diluée dans du suc gastrique de gobelin crevé. Pas grave, c'est nourrissant, j'ai besoin de prendre des forces, je bois tant bien que mal, à chaque gorgée ça se corse. C'est assez fou quand même, il y a un truc qui me titille. Je me sens comme un moineau posé sur une brindille. J'ai la nette impression qu'en tatanant la face d'un mec ou deux, pas plus, je vais devenir sans sas. Apprendre des tas de trucs, devenir le roi. Je sais pas trop pourquoi, ça me fait ça des fois. Je commande vite fait une deuxième pinte que je m'enfile cul sec assortie d'une absinthe. Puis je sors ma hache et telle une douce brise, découpe une tête d'elfe par surprise. Pouc, pouc, pouc. Rien. Je profite vite fait que toute l'assistance soit encore hébétée la mâchoire sur la panse pour trancher les deux bras d'un gars fort bien sapé et lui fendre le crâne par simple charité. Bingo! Voilà qu'un tremblement me parcourt le corps. Je tousse 2 ou 3 fois, me sens devenir plus fort. Mes muscles s'épaississent, prennent 2 centimètres. J'ai même l'impression de faire craquer mes guêtres. Alors que 4 types me prennent soudain d'assaut, je fais virevolter ma hache avec brio. D'une légèreté digne d'une demoiselle, en une pirouette je fais 2 des rondelles. Je repense tout à coup à ce qui me laissait patraque, une épée à 2 mains qui traînait dans mon sac. Je ne pouvais même pas donner un coup avec. Et oui, voilà, ça y est, je la maîtrise, impec. Pour confirmer tout ça, je fends l'air en hurlant. C'est jouissif, mais l'ambiance me ramène au présent. Le silence est total, l'atmosphère glaçante. Je chuchote « Désolé » et lance à la servante une pièce de monnaie pour payer le ménage. Puis m'approche de la porte, il est temps que je dégage. Chaudes larmes à tous. Je vais changer de zone, au revoir les amis. Je ne suis plus de votre monde, je vous laisse entre newbies.